Vous connaissez tous Jean de La Fontaine, mais savez-vous de qui il s'est inspiré vraiment? En réalité, il s'est inspiré du grand fabuliste du 6e siècle avant Jésus-Christ, Ésope. On voit à travers divers exemples, notamment la cigale et la fourmi, ou la cigale et les fourmis chez Ésope. Malgré les différences entre les deux textes, la morale reste la même, être prévoyant et ne compter que sur soi-même. La Fontaine n'est pas le seul à s'en être inspiré. Raymond Queneau avec la cymasie et la fraction. Ah, puis il y a aussi Jean Anouilh avec la cigale. Avec la cigale et la fourmi. En conclusion, tous les grands auteurs se sont inspirés des auteurs grecs.